Olivier, bienvenue sur La On Discute. Bonjour Nassim, merci mais, pour l'invitation. Mais merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Hein. Ça fait un moment que, enfin, on s'est déjà rencontré. Il y a une dizaine, non, si une dizaine ah d'années, si, si, hein, si, si. probablement. On était jeune et beau, mais, <laughs> mais on est juste beau. <laughs> C'est vrai que euh, on est un peu moins jeune, mais euh, espérons euh, qu'on qu reste quand même présentable. Mais oui, ça fait un petit moment. Oui. Et euh, malheureusement, on n'a jamais eu l'occasion de discuter euh, de manière un petit peu plus posée. Tu vois, de partager un petit peu nos opinions sur la musculation ou sur le sport en général. Et tu sais, à la base, je m'étais un peu interdit de faire des podcasts sur le sport. Parce que je me suis dit, bon, bah, j'en parle déjà sur ma chaîne YouTube principale. Est-ce que ça va intéresser les gens Mais en fin de compte, d'avoir un, un, un avis extérieur qui n'est pas le mien, bah, je trouve que c'est intéressant et c'est aussi pour ça que, que je t'ai convié ici. Parce que moi, avec mon pauvre BPGEPS, <laughs> tu vois, <laughs> ouais. on a mieux affaire à pouvoir discuter de choses un petit peu plus, euh, pas forcément techniques, mais d'avoir aussi ton avis sur des, des points bien précis. Avec plaisir. Toujours préparateur physique, alors. Oui, maintenant, ce n'est plus le gros de mon activité. Je prends trois athlètes par an, euh, presque à 100% en ligne. Okay. Euh, ce que je regrette maintenant, d'ailleurs, d'être passé 100% en ligne. Donc, je vais essayer de revenir un peu sur le terrain, mais je, ça reste quand même une partie mineure de mon travail. Au jeu de Paris, j'ai eu la chance d'avoir ma 32e athlète sélectionnée au jeu sur 3000 stiples. Incroyable. Flavio Renoir. Donc je suis toujours en activité sur la prépa physique, mais ça reste une activité mineure. Ok. Tu dis que tu regrettes le, le visio Je regrette le 100% visio. Mm -hmm. Parce que moi, j'ai passé 25 ans de ma, de ma vie sur le terrain avec des athlètes. Euh, tu vois, euh, au, au grand moment mmh. de ma carrière, je passais 100 jours par an pas chez moi, en déplacement. Okay. Ah oui. Donc euh, ça fait rêver comme ça, mais... T'as 20 ans, t'as 30 ans, t'as 40 ans. Au bout d'un moment, ça t'use. Les conditions changent, ouais. bien sûr. Le Covid est arrivé, donc j'ai dématérialisé. Mais je l'ai trop dématérialisé maintenant, mm -hmm. ce qui fait que maintenant je vis derrière mon, mon téléphone. Et c'est un peu dommage aussi. Mais bon, bon. c'est la vie. Je crois que maintenant, c'est un peu le, le, la vie de tous les enfin, beaucoup de préparateurs, beaucoup de coachs qui ont dû euh, accepter la dématérialisation. Donc euh, mm. c'est vrai que c'est toujours un petit peu frustrant. Ouais, je pense qu'il y a un compromis à trouver, tu vois. Typiquement, à chaque changement de cycle, revoir ses athlètes, mm -hmm. c'est chouette. Et bon si ton athlète, elle est à l'autre bout de la France, c'est compliqué. Compliqué aussi, quoi. Et euh, c'est plus le gros de ton activité, c'est mm -hmm. une volonté aussi. Comment c'est euh, Qu'est-ce qui s'est passé et Il y a il une passé le Covid. Ouais. Il passé le Covid. Et moi, euh, ouais, ça faisait longtemps quand même que j'ai été formateur. J'ai bossé 15 ans pour l'université, pour les masters de prépa physique. J'ai bossé pour les écoles qui préparaient au BE, au BP. C'est là où nous nous sommes rencontrés. Absolument. Euh, sur les jurys. Et puis, euh, ça faisait longtemps que je me disais, franchement, le cours de 8 h du matin à la fac, euh, le lundi matin. Brutal. est brutal. <laughs> et quand c'est un cours magistral, où tu as le prof qui parle et tout le monde qui dort. C'est chiant. Je me dis, est-ce que euh, c'est si utile que ça d'être là présent physiquement et Donc, ça faisait longtemps que cette idée me trottait dans la tête. Mm -hmm. Puis, au confinement, c'était le moment de, de se dire, est-ce que je ne peux pas dématérialiser certains de mes cours C'est ce que j'ai fait, et, mais vraiment. Euh, euh, je l'ai fait d'une manière décontractée. Hein, basique, que ouais. Basique, <laughs> je filmais mon écran et je le vendais avec mon compte PayPal. Tu vois, le truc, euh, on ne peut pas faire un peu artisanal. On commence bien quelque part, hein, ouais. de toute façon. Et puis ça a fonctionné. Et puis j'en ai fait un deuxième, un troisième. Et puis je me suis rendu compte à ce moment-là, en fait, c'était quelque chose que j'avais massivement sous-estimé. Mm -hmm. Et vous, dans, le, dans la muscu et le fitness, ça faisait longtemps vous vendiez des programmes en ligne. qui Il y avait de la formation. Mais nous, en prépa physique sportive, on était complètement euh, à l'ouest ou du moins on n'était pas aussi avancé que vous. Parce que vous y, vous y étiez ré réfractaire ou pas forcément Oui, il ouais. Ouais, ouais, y avait une vraie volonté de... C'est impossible de faire des athlètes de haut niveau à distance, ce qui est partiellement vrai, mais Bien sûr. partiellement faux aussi. Il y ouais, a des ouais. gens pour qui euh, bah, avoir son coach sur le dos tous les jours, ce n'est pas utile, toujours. Donc il y a un compromis à trouver. Donc à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était une formidable opportunité professionnelle. Donc je l'ai saisi, et puis ça faisait 25 ans que je travaillais dans cet univers-là en, en physique, donc j'étais un peu fatigué aussi voilà comment ça s'est fait. Et aujourd'hui, il euh, y a une partie de ton travail aussi qui se fait sur les réseaux sociaux, du coup euh ben, De plus en plus grande. Ouais. De plus en plus grande, à la base sur Instagram. Et puis, j'ai voulu euh, refaire des choses plus profondes, plus nichées et euh, plus techniques. Donc, je suis allé sur YouTube. Parce qu'Instagram, forcément, on est contraint à des formats ouais. qui sont relativement courts. Et oui. Euh, donc, je commençais à avoir un petit, pas un petit peu honte de ce que je faisais sur Instagram. Mais tu vois, euh, les reels de face punchy, un peu caricaturaux sympa c'est un exercice mais je commençais un peu à, à regarder mes pieds quoi tu vois quand je me regardais faire je me suis dit oh, peut-être que les gens qui t'écoutent ils ont peut-être pas envie te, de ça euh, donc j'ai envie de re remettre de la profondeur un peu et YouTube c'est bien pour ça c'est clair que euh, étant donné qu'il n'y a pas de limite on peut effectivement euh, approfondir ouais. un peu son propos et euh, je suis d'accord avec toi l'aspect punchy ouais. des formats courts que ce soit sur Instagram ou sur TikTok ouais. c'est quand même très frustrant et euh, le fait de n'avoir que ça, euh, je pense que c'est compliqué. C'est compliqué. Alors après, passé sur YouTube, j'ai découvert à quel point c'était compliqué aussi. <laughs> toutes les loin. plateformes, de toute façon, sont compliquées. Donc, mais bon, c'est un, un équilibre à trouver. Mais compliqué pourquoi Je suis curieux ben, compliqué de savoir. Parce, parce que tu vois quand même, à l'époque moi j'ai 40 000 abonnés sur Instagram, tu vois, je suis arrivé à les avoir quand même en faisant les choses décontractées, mmh. euh, avec pas de montage ou très peu. Très authentique. Ouais, euh... voilà, vraiment euh, nature, quoi. Ouais. Et puis, YouTube, déjà, rien que le problème de la miniature, c'est toute une histoire. Il faut que les gens cliquent. Après, il faut... Au bout d'un moment, je n'avais pas de monteur, mais ça, ça, ça n'allait pas, quoi. Déjà, je faisais des trucs chiants, tu vois, des trucs techniques. Donc, si en plus, il n'y a pas un peu d'illustration, a... donc il a fallu choper un monteur, waouh, en fait, c'est un autre, un autre game, quoi. Ben ouais, YouTube, il y a 15 ans en arrière, c'était très... Euh... La Cuisine, tout vois, de son côté artisanal, maintenant ça s'est tellement professionnalisé que si tu n'as pas une équipe avec toi, c'est hyper compliqué. compliqué. Ouais. Et du coup, bah, ça peut faire apparaître un peu de frustration parce que on n'arrive pas forcément à, à partager son propos et euh, bah, peut-être aussi la photo euh, à la capacité d'attention des personnes qui regardent les contenus maintenant. Enfin, ce n'est pas, pas de leur faute, hein, mais ouais. c'est les réseaux sociaux qui veulent ça. Donc, c'est sûr que ça rajoute une difficulté. Ouais, mais finalement, bon, bah, on apprend petit à petit, mais c'est sûr que ce n'est pas le. C'est dur de faire pour moi qui ai 12 000 abonnés sur YouTube et 40 000 sur Instagram. Je me dis, et vu la vitesse de croissance, tu n'auras jamais 40 000 si je continue mon truc. Mais bon, est-ce que c'est l'objectif Abonnez-vous à la chaîne YouTube de <laughs> On va le faire monter à 40 000 abonnés. <laughs> d'un coup, d'un claquement de doigts, ce serait très intéressant. Euh, je vais fêter mes 18 ans de musculation dans deux mois. 18 ans que je pratique ce sport, j'ai commencé en octobre 2006. Et. Si euh, je t'ai sollicité et si je t'ai invité, c'est aussi pour avoir ton avis par rapport à l'évolution de ce sport, ouais. que je considère comme un sport, mais on pourra ouais. en débattre juste après si c'est un sport ou non. Et en 15 ans, j'ai l'impression que ce, ce sport, c'est presque métamorphosé. Les gens ne s'entraînent plus de la même façon, ils vont plus ré récupérer les conseils aux mêmes endroits. La musculation n'a plus la même euh, réputation. Quand j'ai commencé en, 2000, en 2006, alors ça fait très discours de boomer, hein, mais c'est vrai que c'était d'une part pas aussi populaire et c'était réservé à une catégorie de sportifs qui était bien particulière. À la salle de sport, je ne voyais pas de jeunes qui avaient entre 16 et 20 ans. Alors qu'aujourd'hui, on va dans un Basic Fit, un fitness park on a beaucoup plus de jeunes qui s'entraînent et qui considèrent la musculation comme un sport à part entière. Est-ce que tu as pu voir cette évolution Qu'est-ce que tu penses de cette évolution Est-ce que elle est... on évolue dans le bon sens, dans le mauvais sens Qu'est-ce qui s'est passé avec la musculation ces 15 dernières années La musculation a pris de plein fouet deux, deux concepts, je pense. Le premier, à peu près comme toute la société, les réseaux sociaux et Internet, ce qui fait que l'information est devenue tellement accessible que, à ton époque et à la mienne, on a une dizaine d'années d'écart, je crois. Il y avait moi à mon époque, quand j'étais étudiant, il y avait trois bouquins sur alors, la prépa physique, un peu plus sur la muscu, mais guère. En français, il n'y avait rien. C'est-à-dire que tu avais ces trois bouquins, tout le monde lisait les mêmes bouquins d'Anat pour apprendre l'Anat de la muscu, et puis c'était réglé. Euh, maintenant, l'information, elle est disponible de partout. Et du coup, la musculation a pris euh, un formidable essor, mais je dirais pas pour tout le monde. Tu vois, mon analyse aussi par rapport aux étudiants que j'ai eus pendant 15 ans à la fac, c'est qu'à mon avis, actuellement, on va dire, les, les meilleurs sont monstrueusement plus forts que nous on l'était il y a 20 ans, mmh. mais les moyens, sont moins bons. Ah ouais. C'est mon analyse. Je, toi qui envoies beaucoup des coachs aussi. Donc euh, tu penses que on s'est un peu euh, ouais, divisé en termes d'extrême Je pense. Les mauvais on s'en fout, c'est toujours mauvais. <rire> <rire> ça change rien. Mais les moyens sont, à mon avis, euh, moins bons qu'avant. Mm -hmm. Mais par contre, les tops sont sont à une année lumière. Quoi. Et comment on pourrait expliquer ça Tu penses que c'est le, le trop le surplus d'informations qui fait que les moyens se posent trop de questions ou euh, je sais pas, pas assez. choisissent les, ou pas assez. Ben, les moyens en fait, ils sont submergés d'infos et ils n'ont peut-être pas la capacité, la maturité de, de faire, faire le tri, mmh. tandis que ou les capacités même, tu vois, tout simplement euh, intellectuelles. C'est pas un gros mot. Hein, on n'a pas tous ces mêmes capacités. Et puis les gens euh, qui ont un potentiel plus grand, sont capables de trier l'info, de l'assimiler, de, de voir ce qui est utile, de voir ce qui est moins. Et comme l'info, elle est monstrueusement euh, disséminée, ben, ils arrivent à avoir, euh, tu vois, une boîte à outils de coach pour prendre les, les coachs qui est infiniment supérieur à, à ce qu'on pouvait avoir à, à notre époque. Et parce qu'ils ont cette capacité de tri, à mon mmh. avis. Ok. Je pense que j'ai à peu près le même, euh, le même constat, totalement. Et pourtant, dans le cadre de la musculation, si on prend euh, la, le développement de la force ou le développement d'hypertrophie, en termes de ressources scientifiques et d'études scientifiques, ces 15 dernières années, ça a littéralement euh, explosé. Alors oui, oui, ça a explosé, mais ça reste toujours aussi compliqué de lire une étude scientifique euh, intégrale. Donc pour les moyens, en fin de compte, ça leur sert pas à grand chose. Ben non, ils ont que des euh, résumés de résumés de résumés, euh, finalement, qui ont plus grand chose à voir avec l'étude de base ou qui sont quasiment euh, caricaturés. Le danger du résumé de résumé. Ouais, du, du résumé <laughs> de résumé. Et donc c'est ça. Et l'autre aspect, à mon avis, qui a bouleversé euh, la musculation au sens large, c'est le CrossFit, je pense. Ah tu penses ouais, Je pense, ouais. Parce que à mon avis, euh, le CrossFit a révolutionné le monde de la musculation. Parce qu'ils ont montré, par exemple, que la notion d'interférence, tu vois, par exemple, attention à mélanger cardio et muscu, attention, attention, attention à quoi C'est à moins d'être champion du monde de, du développé couché ou champion du monde du marathon, les interférences, pour l'écrasante majorité des gens, c'est pas un problème. Mm -hmm. Donc tu vois, ils ont montré que ça c'était pas obsolète, mais pas aussi important euh, qu'on qu pensait. Ils ont euh, montré aussi qu'on pouvait euh, Justement, agglomérer, faire les éponges, quoi. Agglomérer toutes les informations, les tester sur le terrain. Et puis, je trouve qu'ils ont une vraie dynamique communautaire. Tu vois, ils testent des trucs. Ça, c'est sûr. Et tandis que la muscu, euh, le bodybuilding, j'ai toujours trouvé quand même que c'était un univers pas si ouvert que ça entre les pratiquants. Bah, c'est assez sectaire. Hein. On, euh... peut, on peut carrément mettre en opposition le communautaire du crossfit et le sectaire ouais. de la musculation. Donc, tout ça, mis bout à bout, fait qu'à mon avis, le CrossFit, ça a fait exploser le truc. Et je trouve que maintenant, actuellement, ce qui, ce qui change le game, c'est euh, la force athlétique, le powerlifting. Dans, dans quel sens En termes de, de réflexion. OK. Tu vois, par exemple, la notion de répétition en réserve, c'est quelque chose dont on parlait peu à ton époque, pas du tout à la mienne. Jamais entendu parler avant euh, récent, hein. 2015, 2016. Hein, clair. Et eux, euh, maintenant, tu regardes les programmes de powerlifting, euh, c'est pas inhabituel d'avoir euh, X séries de Y répétitions deux répétitions en réserve à la série 1, etc. Enfin, tu vois, ils, ils ont vachement. J'ai l'impression qu'ils enrichissent, ils enrichissent énormément euh, la musculation. Alors les gens vont te dire, ouais, on n'a rien inventé. En fait, les gens soulèvent des poids depuis l'Antiquité. <laughs> Il y a peu de chances qu'on ait inventé quoi que ce soit, tu vois, hors technologie en 2024. Mais n'est pas pour ça que faire des rappels de savoir, c'est pas indispensable, quoi, pour les remettre au goût du jour. Alors, dans ce sens-là, est-ce que tu penses qu'on s'entraîne moins bien aujourd'hui qu'il y a 15-20 ans eh ben, la même réponse que tout à l'heure. Je pense que les gens moyens s'entraînent moins bien parce qu'ils ne sont pas assez, euh, assez euh, persévérants sur leur plan d'entraînement. Mm -hmm. Ils passent, ils papillonnent. Mais les gens les bons, ils sont bien meilleurs, je pense. C'est intéressant comme, euh, comme réflexion, je ne l'avais pas vu comme ça. Et euh, c'est sûr que la population qui fait de la musculation maintenant a peut-être euh, quintuplé ou enfin, a été multipliée par je ne sais pas combien en, euh, en 15 ans. Et c'est vrai que, je le remarque dans les salles de sport, qu'il qu y a eu une, une, une division qui est quand même assez, euh, assez remarquable. Je te donne un exemple. Tu vois, avant l'avènement des, des chaînes de, de muscu, des, bon, on ne va pas les citer, mais enfin, tout le monde les connaît, euh, il y avait plein de salles indépendantes. Bah, tiens, VO2, mm -hmm. euh, c'était typiquement euh, le type de salle indépendante. Il y en avait plein à Lyon comme ça, et à Paris aussi. Quand tu entrais dans une salle dans les années, euh, là c'est vieux ce que je te dis, hein, 90-2000, déjà, tu disais bonjour à tout le monde, truc de base, hein, mais bon... <laughs> Bref. Ça n'arrive plus, je crois. Hein. Rarement. Moi, des <laughs> fois, je dis bonjour dans le, dans le vestiaire, mais. On ne euh, te répond pas Pas Ça 100%, des... ouais. Donc, tu disais bonjour aux gens. Bon, ce pas ça que je veux vous dire. Ce que je veux vous dire, c'est que le coach, il, était, il y avait des coachs plateaux pour de vrai. C'est-à-dire que tu faisais n'importe quoi. Euh, on venait te voir, on venait te dire, écoute, moi, je te conseille de mieux faire. Et voire même dans des salles, tu, tu faisais pas n'importe quoi, quoi. Tu, tu, tu faisais ce que les coachs te disaient. Donc, il y avait du vrai coaching plateau. Je ne sais même pas si ça existe encore, les coachs plateaux. Et ça, je pense ça fait longtemps que ça n'existe plus. Ah ouais, tu vois. Et quand tu dis l'apparition des chaînes, on parle bien sûr de Fitness Park, Basic Fit, etc., qui ont totalement supprimé le métier de coach sur plateau. Ah ouais. Ça n'existe plus. La plupart du temps, ils sont bah, commerciaux, en fin de compte, bah oui. où ils vont euh, être utiles pour euh, ranger des poids. Je ne dis pas ça pour insulter bah non, qui non, que ce soit, mais c'est la, réalité, euh, la ré réalité du marché maintenant. Ce qui fait que les coachs se sont un peu euh, comment dire, consolés avec euh, le coaching à distance mais c'est sûr qu'en salle de sport, plus personne va donner des conseils. C'est pour ça que le pratiquant moyen de l'époque, mmh. il était meilleur, à mon avis, parce qu'il était coaché plus ou moins pour le même prix que son abonnement. Tandis que maintenant, bah, le mec moyen, bah, il n'est pas coaché, parce qu'il n'y a plus de coach. Donc il fait ce qu'il veut avec son téléphone, ce qu'il peut. Donc, à mon avis, le niveau est moins bon. Mais c'est vraiment subjectif. Oui, oui, de toute façon, forcément que ce, sera, que ce sera un peu subjectif. Alors, l'apparition de ces chaînes de salles de sport, mmh. au final... Est-ce que ça a été une bonne chose maintenant qu'on a un peu de recul sur la question et qu'elles existent depuis un petit moment, plus d'une décennie Parce que je crois que le premier fitness park est apparu en France en 2010, si je ne dis pas de bêtises. Avec le recul qu'on a maintenant, est-ce qu'on peut dire que ces chaînes, elles ont fait du bien à la musculation ou pas forcément Il faudrait voir les, les chiffres sur la santé. quoi Là, là je ne les ai pas, ces chiffres. Mais si le fait de bouger, même de bouger mal, c'est toujours mieux que de ne pas bouger. <laughs> c'est vrai. À l'échelle peut... de la population, je parle. Bien sûr. Ouais. Tu vois, quand Major Mouvement, il dit, euh, on lui pose la question. Euh, c'est quoi la meilleure façon de faire du squat Et je trouve sa réponse intelligente. Il dit ben, le meilleur des squats c'est celui qu'on fait quoi. Mmh. Il veut dire qu'à l'échelle d'une population, mieux vaut faire un squat avec une technique bof que rester dans son canapé toute sa vie quoi. Alors c'est caricatural mais voilà bouger c'est toujours mieux que pas bouger à l'échelle mondiale. Ouais, oui. Et là il faudrait savoir si réellement euh, les gens sont en meilleure santé. Je ne sais pas si les chiffres de l'obésité et de la, du surpoids vont dans ce sens. Non, ils n'ont pas l'air de, de, de donner ça, ça raison filme à ça. ne pas des masses, hein. non, effectivement. Donc, euh, ce qui est un indicateur de santé quand même. Donc, je, je soupçonne que c'est compliqué. Mais de toute façon, l'activité physique, à mon avis, dis-moi ce que tu en penses, elle ne euh, fait pas le poids contre l'alimentation. Tu vois, purement et simplement, cramer 300 calories, l'énergie que ça demande, la volonté que ça demande, manger 300 calories... C'est le jour et la nuit donc euh, on ne peut pas gagner la bataille, à mon avis, de la, de la bonne santé euh, que par l'activité physique? Absolument, je pense que c'est une approche complète euh, qui ouais. demande de s'intéresser à plein de choses différentes. Et sans parler de santé, si on parle plus de musculation, de prise de muscle, de prise de force, est-ce que tu penses que l'apparition de ces chaînes ont été euh, une bonne nouvelle ou pas forcément Parce que l'apparition de ces chaînes, comme on l'a dit juste avant, elle est allée euh, de pair avec là, potentiellement la disparition des coachs sur plateau. Donc au final, est-ce qu'on n'a pas des gigantesques salles de sport à laquelle on a accès, mais on ne sait pas quoi faire à l'intérieur Moi je trouve que de plus avoir de coach plateau, c'est un non-sens. Et ça ne reviendra jamais hein. Non, de toute façon, il n'y a, a pas grand-chose qui revient. Mm. Et ça, ça ne reviendra jamais. Jamais. Donc je pense que c'est dommageable. dommageable. Et c'est un peu frustrant, je pense, pour les coachs de se dire, euh, maintenant, on va passer à un diplôme euh, qui est... Bah, totalement différent de ce qu'il était il y a 15 ou 20 ans et qui ne permet plus du tout les mêmes choses en fin de compte. Parce que quand j'ai passé mon BPGEPS en 2009, effectivement, c'était pour être coach sur plateau parce que ça existait encore. Mais bah, j'ai été témoin de l'apparition des chaînes de salles de sport et maintenant, quelqu'un qui passe, euh, quelqu'un qui fait STAPS ou euh, un Dust Métier de la Forme ou un ouais. bp il n'a plus du tout les mêmes, euh, les mêmes perspectives de, de travail en fait. Même avec le CQP qui vient de rentrer Le CQP Instructeur Fitness, ouais, absolument. C'est devenu euh, très rapide. Euh... Est-ce que c'est critiquable C'est un autre problème. En tout cas, euh, ouais, c'est plus le même métier. Alors il reste les courcos, qui sont toujours là. Qui sont Tu penses qu'ils ne sont pas amenés à disparaître aussi bah, Dans toutes les dans toutes les salles de sport où je vais, il y a il exi quand même, ils existent euh, encore. Ah ouais, c'est quand même euh, c'est quand même massivement euh, féminin, ouais. mais c'est pas c'est bien. Oui, c'est bien. Mais c'est encore c'est encore demandé. moi, ma femme, par exemple. On est inscrit dans la même salle de sport et elle, elle adore les, les courcots. Elle me dit, bah, le prix de l'abonnement est peu cher par rapport au, à la qualité des courcots. Et si je devais faire, euh, maintenant on peut prendre des abonnements dans des, dans des structures qui font que des courcots. Ouais. Savez, ils font en Pilates, en yoga, mmh. dans de chose. Elle me dit, ouais, bah, là au même endroit, je peux faire ma muscu et puis j'ai des super courcots pour un prix. Euh, donc je pense que les courcots, contrairement à ce qu'on pense, c'est peut-être ce qui peut sauver un peu L'industrie. Ah ouais. Je ne sais pas, je, je pose la question. Est-ce que tu conseillerais du coup à quelqu'un qui est intéressé par le sport en général et le coaching de passer aussi une mention courco dans ses, ouais, courco, ça dans peut ses pas, diplômes Courco, ça, ça peut pas se forcer quoi. Ouais, c est c est dire, je, je crois que toi tu l'as passé la courco, non Tu t'es fait t'es Je mal. suis un peu forcé. Hein. <laughs> tu t'es violenté. Je me suis violenté. Mais parce qu'on m'a dit texto, euh, ouais. si tu ne passes pas les courco, les ouais. courco tu ne trouveras pas de contrat directement en sortant de ton bp ouais. Ce, Ce qui pas, était au final un bon conseil. C'était hein. bon hein. ouais, pas un mauvais conseil à l'époque. Mais honnêtement, euh, faire des courco de grande valeur, des courco en musique de grande valeur, ou pas en musique, mais. C'est un métier... Euh, C'est vrai que ça ne s'improvise pas. Il faut vraiment avoir la fibre. Il hein. faut avoir le rythme, il faut avoir la fibre, il faut aimer ça, parce que sinon ça se voit ouais, sur ta tête. Il faut, faut être un animateur hors pair ouais. et euh, faire passer un bon moment. aux gens. des rejoins. compétences de, de haut vol. Hein. Ouais, C'est pour vrai. ça que je pense que ça perdurera. Je pense qu'il y a deux choses qui vont perdurer, les personnels traîneurs mm -hmm. et les profs de cours co. Euh, les, les métiers et bien sûr tout ce qui est en ligne, hein, mais je parlais du physique. Ouais, ouais. Au milieu, euh, plus rien. Eh bien, je suis curieux de voir la transformation de tout ça dans les, dans les prochaines années. Mmh. Est-ce que tu penses que le, dans les techniques d'entraînement en musculation, il y a eu une évolution aussi Ou alors, on s'entraîne de la même façon euh, depuis des décennies et euh, c'est pas plus mal Les fondamentaux n'ont pas changé, parce que le, la physiologie n'a pas évolué depuis, depuis un paquet de temps. Non, ce qui a changé, c'est la rationalité avec laquelle les plans sont suivis par les sportifs consciencieux. Ok tu vois, moi, ma génération, on a amené un petit peu la notion de tempo. Mm -hmm. Tu vois, euh, la génération suivante a amené les répétitions en réserve. Et maintenant, les gens qui s'entraînent sérieusement, qui sont suivis souvent, quand tu regardes leur plan d'entraînement, ce n'est pas trois séries de 8, hein. Alors, je n'ai rien contre trois séries de 8, <laughs> Mais c'est trois séries de 8 Avec tempo. À tant Combien de secondes à l'excentrique, etc. Combien de répétitions en réserve Waouh C'est un, une autre dimension. Donc, je pense que le, là encore. Pour les gens sérieux, c'est sur une autre planète. C'est ce qui leur permet d'atteindre un niveau, euh, un niveau exceptionnel. Ouais. Je pense que c'est aussi grâce à ça qu'on peut peut-être limiter le, le dopage et okay. les pratiques. Bah, plus on s'entraîne sérieusement, euh, plus on peut augmenter les chances d'avoir la réalisation de son plein potentiel. Bien sûr. Et quand on réalise son plein potentiel, bah, on limite les chances d'être malheureux et de, se, et de se doper pour des mauvaises raisons. Donc euh, voilà, je pense que c'est positif. Est-ce qu'il y a une évolution qui va... Est-ce que ça peut continuer à évoluer en termes de technique d'entraînement ou est-ce qu'on a atteint un plateau et on va continuer à s'entraîner comme ça pour les prochaines ouais. décennies Difficile à dire. Je pense qu'aussi parfois on frôle la caricature aussi maintenant. En termes de complexification Oui, ouais, on frôle la caricature. Et après voilà, il faut corréler aussi ce que tu mets sur le papier ou sur... et puis le niveau que tu as en face. Quoi. Bien on sûr. Va pour faire 100 kg au coucher, pas besoin de se casser la tête non plus. Donc, ce que je crains peut-être, c'est la dérive extrême, c'est-à-dire que les débutants vont avoir des plans d'entraînement plus compliqués que ceux qui vont aux Jeux Olympiques. C'est à la fois inutile, contre-productif et limite euh, dangereux, parce que les méthodes avancées n'ont pas leur place pour un débutant. Donc, il ne faudrait juste pas que les, les gens se trompent de, de schéma non plus. Mais d'où l'importance d'avoir des bons coachs ou des bons préparateurs qui euh, peuvent justement euh, nuancer les choses ouais. et. Euh, Partager le fait que tout le monde n'a pas besoin des mêmes techniques d'entraînement et qu'on peut très bien commencer avec quelque chose de ultra simple ouais. tant qu'on commence en fin de compte. Ah ouais, et puis des fois, commencer ça peut on peut durer longtemps. Hein. Mm -hmm. Quand tu vois les plans d'entraînement en altéro euh, des athlètes olympiques, tu te dis euh, c'est pas compliqué. Hein. Ah ouais, ben euh, c'est compliqué de, de perdurer avec des plans d'entraînement aussi rébarbatifs et aussi difficiles parce Mais que c'est monotone et on refait très souvent la même chose en fin de tu compte. Tu vois, en altéro. Tu pas 36 exos, hein. tu pas 36 machines, il ah n'y a non, pas de machines. Tu, ouais. tu tournes autour des mêmes grands exercices. Il y a des mouvements d'assistance, mais ce n'est pas du culturisme. Tu pas 36 façons de faire les biceps, parce que tu ne les fais pas, les biceps, tu vois, ou quasiment pas. Donc, c'est des plans qui sont extrêmement euh, difficiles et rébarbatifs. De ce point de vue-là, ils sont compliqués à tenir. Est-ce qu'ils sont compliqués Je n'en suis pas, pas, aussi, pas autant qu'on s'imagine. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que tu penses que le niveau d'un pratiquant est surtout. Conditionné par sa capacité à tenir un plan pendant plusieurs mois, plusieurs années, voire même plusieurs décennies, ou la, la complexité de ce plan-là pour potentiellement utiliser des techniques d'entraînement avancées, euh, etc. Bah, Peut-être que l'idéal, ce sera les deux en même temps, évidemment. Hein. Ouais. Mais je crois que ce n'est pas très cool à entendre, mais pourtant, il faut l'entendre et il faut le nuancer. Le, le game changer, c'était parents. quoi. <laughs> C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut choisir les pas, bons parents. Si tu n'as pas la bonne génétique. Ah, tu vois Et ça, plutôt les gens l'ont compris. Il y a des divisions, quoi. Tu vois, première division, deuxième division, et c'est pas grave, tu vois. Ce qui est cool, c'est qu'avec la musculation, même euh, les plus gros hard gainers de l'univers, s'ils s'entraînent sérieusement quelques années, ils auront un physique enviable pour 90% des gens, tous, sans exception. Mais euh, si ces gens-là, euh, qui sont en troisième division, un beau matin, ils se disent, moi, je vais aller à Olympia, c'est mort. C'est mort. Et ils vont être malheureux et ça va, ça va faire des, des drames. Donc, plus vite tu as compris que la génétique c'est crucial pour la haute performance, mieux c'est. Mais tout le monde peut faire des trucs super euh, admirables. Quoi. Mais comment on peut faire comprendre ça Parce qu'on est en train de dire aux gens oui, c'est injuste. Oui, ouais. c'est injuste. Enfin, enfin, certains seront plus avantagés que toi pour ben euh, oui. faire tel ou tel sport. Euh, donc, euh, il faut essayer de le de le. Moi, j'ai un exemple, mais à chaque fois je, je me fais insulter. Alors, bon, je vais me fais insulter là. <laughs> Quand en 2010, Christophe Lemaitre devient le premier blanc sous les 10 secondes, tu savais combien il y avait de blacks avant lui 70. Ah ouais 70, et Christophe Lemaitre devient le premier blanc sous les 10 secondes. Et depuis, euh, il n'y en a pas eu 50 hein, des non-blacks sous mmh. les 10 secondes. Ben voilà, il suffit de regarder l'athlétisme, et de regarder les Jeux Olympiques, de regarder le sprint, et de comprendre qu'il y a une inégalité liée à la zone géographique de tes ancêtres. Et tu te fais insulter pour ça Ouais. Parce que les gens ont du mal à le comprendre ben, ou euh... Parce que déjà, ça les touche. Ils n'ont pas envie d'entendre que ce n'est pas juste. Mais de la même manière, tout le monde ne peut pas faire Sciences Po. Quoi. Enfin, Bien sûr. Ça choquerait personne de dire tout le monde n'est pas Einstein. Quoi. Tout le monde n'est pas Einstein. Et donc les capacités intellectuelles sont. sont comment dire sont... La génétique est cruciale, les capacités physiques aussi. Et pareil, tu regardes des nageurs, tu vois un black tous les, tous les 100 nageurs. Ben voilà, tu te dis, il y a quelque chose. Ce n'est pas, pas une coïncidence. Ah non, c'est pas une coïncidence. Donc voilà, pour expliquer aux gens que la génétique, c'est centrale, eh ben, tu regardes le, les sports olympiques et tu comprends. Mais par contre, je le redis, tout le monde peut faire des trucs exceptionnels. Oui, on est d'accord que, quelle que soit la génétique, la progression est monstrueuse. Et monstrueuse et est possible. Complètement. Et ça, c'est plus important. Est-ce que tu penses qu'il y a un moyen, pas de prédire le potentiel de croissance musculaire de quelqu'un, mais... Euh, si, en fait de prédire son potentiel de croissance musculaire. Il y avait quelque chose dans les années 90, mais c'est passé complètement, euh, c'est pas très intéressant, je ne sais pas pourquoi les chercheurs bosseraient dessus, c'est sur la myostatine, tu sais, ouais. un inhibiteur de croissance. Mm -hmm. Et euh, il y avait des théories, tu vois. Quand j'étais en séminaire avec Charles Poliquin, euh, donc c'est très vieux, il disait, mais tu sais jamais d'où il sortait ces trucs, tu vois. Surtout que Charles Poliquin euh, des fois... Euh... Ah ouais, ça, ça sortait de, de nulle part. De Mars, quoi, la planète Mars. <laughs> et il disait... Moi, je sais que tous les sélectionnés à Olympia euh, ont un, un inhibiteur de la myostatine. Donc, un inhibiteur d'un inhibiteur de croissance, ça fait euh, comme les taureaux dans les... Mais c'est un peu... En... Enfin, T'as entendu ça J'entendais cette rumeur de l'époque de Ronnie Coleman, où on disait justement ouais. que euh, sa capacité de croissance musculaire était due à ça. Mais ouais. bon, c'est des rumeurs de forum de musculation. C'est euh... ça. Mais tu vois... Euh... Même la légende, bah j'allais dire vivante, mais non, la légende morte Charles Poliquin ouais. en parlait. J'ai jamais creusé le sujet parce que c'est, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Ouais. On s'en fout. Et puis, de toute façon, on sait très bien que les meilleurs athlètes du monde sont des mutants, que ce soit à Olympia ou aux Jeux Olympiques. C'est le même débat. C'est des mutants. Donc, pourquoi pas à la rigueur. Hein. Mm. Donc, mais un prédicteur de croissance musculaire, non, moi, je ne connais pas. Très honnêtement. C'est quand même un peu frustrant pour quelqu'un qui commence le sport de se dire euh, bon, je suis limité ou pas ou, euh, ou euh, privilégié euh, dans ce sens-là. Ouais, mais de la même façon, euh, c'est frustrant de naître en Corée du Nord. quoi. Ah, <laughs> non, mais je prends des exemples toujours un peu vois, On comprend bien, tu vois, les pauvres gens qui naissent en Corée du Nord, bah, déjà, ils savent peut-être pas que c'est les pauvres gens, parce que les pauvres, ils savent pas qu'ils sont dans un pays, dans une dictature. Mais tu nais en Corée du Sud, en Corée du Nord, à, à 100 mètres près, euh... donc à un avis, moment donné, c'est euh, jour de la nuit. Hein. C'est la loterie, quoi. Plus vite tu as compris ça quand tu nais dans un pays occidental où justement tu peux tu as quand même des chances de, de croissance musculaire et de croissance sociétale monstrueuse en france quoi bien sûr on dit ce qu'on veut mais enfin des belles histoires il y en a plein les rues quoi en france l'école c'est gratuit la fac c'est quasiment gratuit on n'est pas en reste c'est certain oh, attends, je veux dire, même mieux vaut naître dans une famille aimante qui a un petit peu de sous et tout mais même si c'est pas le cas il y a quand même des des opportunités quoi. Ça, on, est, on est totalement d'accord. Est-ce que justement ces différences de génétique, alors j'allais utiliser le terme justifié », mais c'est peut-être pas le bon terme. Je vais quand même l'utiliser. Peuvent justifier que certains envisagent la voie des produits dopants, tu vois. Ah ben moi c'est 100% de mon explication. Ok. Les, enfin 100%. Les gens se dopent parce que ils acceptent pas ce qu'on discute depuis le début. T'es un mutant ou t'es pas un mutant. Si t'es un X-Men. Tu vas pouvoir avoir des super-pouvoirs, très bien. Mais si tu pas un X-Men et que tu as une petite pilule où on te dit que tu vas ressembler à un X-Men, mais non, en fait, finalement, ça ne va pas le faire, et ben tu vas prendre cette petite pilule, mais ça va pas le faire. Donc, plus tôt tu as compris que justement, il y avait des, des divisions, et ben plutôt tu tu tomberas pas là-dedans, parce que tu sais très bien que ça fonctionnera pas. quoi. Si tu es un escargot qui se dope, tu n'iras ben, pas aux Jeux Olympiques sur 100 mètres. Ouais, ça, c'est sûr. J'avais quelque chose qui m'est passé en tête. Donc dopage, oui, le dopage, à mon avis, la principale raison du dopage, c'est que les gens n'admettent pas les limites que la mère nature leur a, leur a données. Et du coup, comment on pourrait justement mieux éduquer sur la génétique et les différences qui, qui nous animent tous Déjà montrer que vraiment, en chacun de nous, il y a une caractéristique exceptionnelle mental, physique, ou les deux, ou émotionnel, tu vois. Il faut la trouver. Voilà, il faut la trouver. Déjà, si on, tr si on trouve chez tout le monde sa zone de génie, bah, tu, vas, tu vas être hyper heureux parce que tu vas voir, ah oui, en fait, moi, je suis exceptionnel pour les mathématiques. Ça, c'est facile parce que l'école, maman, met l'accent dessus. Ou, ou des compétences émotionnelles, tu vois. Euh, tu es hyper empathique, tu vas pouvoir peut-être réaliser des choses incroyables en aidant les autres. Et bah, voilà, Aider les gens en leur faisant comprendre, que, en les aidant à trouver leur zone de, de génie. Pour éviter la frustration de se comparer voilà. aux autres qui justement ont des capacités exceptionnelles dans voilà. un domaine bien précis. Et ben là, je pense que c'est la clé. Et là, l'école fait, fait le job qu'elle peut aussi, je pense. Mais les parents, ouais. tu vois, si les parents encourageaient peut-être les enfants à réaliser ce qu'ils ont envie de faire, même si c'est des fois un peu un peu dingo. Mm -hmm. Mais tu vois des trucs dingo Si on t'avait dit il y a 20 ans qu'un youtuber ça pouvait être un chef d'entreprise de, de haut vol, tu n'aurais pas cru. Et puis pas, tu n'aurais peut-être pas été le seul, quoi. Ouais. Donc. Euh, voilà, si on t'avait pas laissé faire ça. Parce que les youtubeurs, c'est marrant parce que maintenant, youtubeurs, tu vois, dans les écoles, y a, je crois que c'est maintenant un des métiers les plus... C'est pas un métier youtubeur. C'est pas un métier du mais tout. les enfants, ils disent, moi je vais faire youtubeur. Bon. Avant, avant même, astronaute et... Exactement, ouais, ouais. youtuber Youtubeur. Mais il faut se rendre compte que quand on était jeune, moi beaucoup, et toi aussi, même avant le Covid, moi je trouve que les gens se foutaient de la gueule de beaucoup de Youtubers. Oui, tu as raison. Hein. C'est vrai qu'il y a eu un, une bascule, euh, ça. particulièrement ces euh, 4-5 dernières années. Ouais. Le Covid, euh, tout le monde s'est assis devant son, <laughs> son ordi. Et a découvert YouTube. Ah, ouais. en fait, il n'y a pas que des demeurés, quoi, <laughs> loin de là. Et, mais avant, les gens se foutaient de la gueule, euh, mas, pas massivement, mais plein de gens, euh, vous pour des, je dis vous, mais je peux mettre dedans, nous prenaient pour des clowns. Quoi. Ça, c'est clair, il y avait un manque de légitimité. Et Le ouais. euh, et et Covid est arrivé. Ouais. Donc voilà, si les gens euh, laissaient aussi les enfants faire un truc où ils sentent que leur gosse, il a la passion, et ça, c'est un bon exemple. Mmh. Bah, c'est peut-être plus YouTube, c'est peut-être TikTok, mais voilà, s'ils si font quelque chose de, de vertueux, dans le sens qu'ils les entraîne pas dans des spirales négatives pour eux, bah, laisse-le faire, quoi. S'il ne fout pas sa vie en l'air, il euh, y a des chances que ça se trouve, ça se transforme en, en quelque chose de génial, quoi, tu vois. Et tu penses que tout le monde a sa zone de, ah, je... de génie Ou gé... peut-être le génie le moins fort, mais une zone d'excellence. Ah ouais, quand même, je me dis... Euh... Des fois, les gens le savent pas, mais... Je pense qu'on a tous quelque chose à faire de cool dans la vie, quoi. Voilà. Et je suis d'accord avec ça, carrément. Des fois, il faut creuser un peu, mais il faut donner aussi envie aux gens, tu vois, d'avoir un petit peu, d'avoir faim, quoi, de, de quelque chose, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Il faut pas tout, tout mettre tout cuit, quoi. Sinon, c'est dur d'avoir. Euh... Toi, les gens qui naissent dans des familles riches, qui sont riches de naissance, comment ils peuvent apprécier de gagner de l'argent, tu vois Et ben, c'est pareil, si amènes tout sans difficulté, n'est pas la meilleure solution pour avoir un, une zone. D'épanouissement. Ouais, 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 je suis, je suis totalement d'accord. Après, ça reste frustrant pour le cas de la musculation parce que ça s'est tellement popularisé et maintenant tout le monde a envie d'être très très bon en fait. Mais malheureusement, ouais, ouais. tout le monde ne le sera la pas. La frustration, ça fait partie de la vie. <laughs> c'est une <laughs> très bonne phrase. C'est vrai, <laughs> vrai qu'on ne peut pas éviter la frustration. Bah, non, hein. non, contrairement à ce qu'on imagine. Et c'est un bon moteur de toute façon. Donc, euh. bah, oui, parce que des gens, euh, qui sont mal, les gens qui réalisent des grandes choses, c'est rarement des gens qui sont super zen, heureux de tout. Souvent, ça part d'une souffrance ou d'un quelque chose où tu es mal à l'aise. Je ne connais pas de, de grands sportifs ou de grands entrepreneurs qui étaient euh, épanouis à 100%, complètement heureux. Souvent, il y avait des trucs qui coinçaient quand même, hein. des zones de frustration, justement, qui leur a donné un petit peu une énergie pour faire quelque chose de, de leur vie. Quoi. Bah, je pense que l'essence même d'entreprendre, c'est justement de ne pas se satisfaire de sa condition actuelle ah ouais. et d'essayer de l'améliorer via la création de, de X ou Y. Donc, la frustration, c'est cool. Frustration, c'est cool. C'est ce qu'on en retiendra. <laughs> est-ce que tu penses que la musculation est réellement un sport Au même titre que euh, l'altéro, la force athlétique, ouais. la natation, l'athlétisme. La musculation, quelle est sa place Parce que pendant longtemps, c'était un complément. Ouais. C'était une assistance à, une, à un autre sport euh, plus légitime, entre guillemets. Aujourd'hui, la musculation a bien évolué, mais est-ce que ça en fait quand même euh, d'elle un sport bah, Si on prend la, la définition de, de, du mot sport, en fait, c'est une activité physique. Qui est pratiqué dans le cadre de règles, souvent préétablies par une fédération, et qui amène à éventuellement des, compét des compétitions. Donc de ce point de vue-là, c'est pour ça que les gens ils disent que la musculation c'est pas un sport. Ils savent pas trop pourquoi, mais en fait intuitivement ils perçoivent qu'il n'y a pas ce côté règles, fédération, compétition envisageable. Le footing, les gens qui courent pour leur plaisir, c'est pas un sport. Mmh. Mais si demain tu veux faire de l'athlétisme et des courses de fond, ça devient un sport parce que tu prends ta licence, tu cours sur un stade. Et le départ est là, la fin <laughs> est là. Pour te qualifier au, au tour suivant, il y a des minima. Ça devient un sport. Fondamentalement, c'est juste ça. Et dans les, les exemples que tu donnes, ben l'altéro, ça marche dans la définition officielle. Euh, le powerlifting, même le culturisme, ben, tout marche tant qu'il y a des compétes et des règles. Donc, de ce point de vue-là, de ce point de vue-là, la musculation n'est pas un sport, sauf si on fait des com comme le streetlifting. Oui. Ben, tu vois, ça devient finalement de la, une sorte de musculation. Qui va déboucher sur des compètes, ça devient un sport. Mais enfin, c'est vraiment un problème de mots. Hein. Et qu'est-ce que tu en penses toi personnellement Est-ce que tu trouves que la musculation c'est vraiment un sport Parce qu'il n'y a pas cet aspect performance en fin de compte, euh, d'un point de vue euh, culturisme. Ben oui. Alors, Moi, je pense que c'est plus dur qu'un sport. Parce que c'est subjectif, tu veux dire Non, parce que il n'y a pas de confrontation. Ah. Il n'y okay. a pas moyen de s'amuser. Avec des petites compètes, tu vois. Parce que ah les non. gens s'imaginent qu'il n'y a toujours que les grosses compètes, mais tu peux t'éclater en championnat régional. Ah, carrément, ouais. Parce que bah, tu es avec des gens de ton niveau, et puis l'année d'après, tu essayes d'être un peu meilleur, donc tu t'éclates. Mais la musculation en tant que pratique, juste pour être plus beau ou en meilleure santé, c'est plus dur parce que c'est toi et toi éternellement, quoi. Donc je trouve que c'est plus dur qu'un qu qu sport au sens où on l'entend. Mm -hmm. Et. Euh le, la définition de la musculation comme étant un complément, ça par contre, c'est totalement justifié en fin de compte. Bah oui, nous, nous, on utilisait tout le temps le mot musculation pour euh, la pratique de renforcement musculaire en prépa physique. On utilise le mot musculation bah, parce que c'est une activité où le muscle est au centre de l'activité. Oui, bien sûr. Comme on utilise cardio quand le, le système cardiovasculaire est ouais. au centre. C'est vraiment un problème de. C'est quoi le maillon faible bah, Le maillon faible, c'est le muscle ou c'est le cardio Donc on travaille le muscle ou on travaille le cardio Ouais. On peut faire les deux, mais souvent il faut choisir quand même à un moment donné. Et t'imaginerais le culturisme aux Jeux Olympiques ou pas du tout Étant donné que c'est quand même, euh, ouais. j'allais dire, c'est très subjectif, mais on ah, a plus des... que la gym. Oui, c'est ce que c'est exactement la comparaison que j'allais donner. Il y a aussi d'autres pratiques sportives mmh. qui sont basées sur des chorégraphies qui sont mmh. jugées par bah, ah, des ouais. juges. La GR, tu vois Ouais. Les... La Les... natation synchronisée. Euh... Ces trucs-là. Je ne vois pas pourquoi on pourrait juger de la natation synchro et pas du culturisme. La seule chose, c'est que il faudrait être Carré sur le dopage, le dopage ouais. donc fait des naturels, des vrais contrôles vraiment inopinés. Et ouais, moi je trouve que ça serait super cool d'avoir du culturisme naturel au JO. Mais à mon avis, c'est pas prêt de rentrer. L'altéro a déjà failli sortir. Ah oui. Ah ouais, l'altéro a failli perdre son, son accréditation il y a quelques années à cause du dopage. Mm -hmm. Donc euh, c'est pas de mal à la veille. Parce que est-ce que réellement c'est plus présent dans l'altéro que dans les autres sports ou pas forcément ben, Il me semble bien, quand même. Il ouais. y a plein de pays, justement, d'Europe de l'Est et tout, où euh, ils font partie des Fédés. Enfin, va choper les mecs au fin fond... Euh, Impossible. Des bleds. Donc, tu vois, les contrôles inopinés. Euh, c'est facile à Paris, c'est facile à New York, c'est facile de partout dans, dans les pays un peu, j'allais dire développés, mais c'est n'est pas ce que je voulais ah, dire. Ouais. Dans les pays euh, riches, c'est facile. Mais au fin fond de la Russie Au fin fond de la Russie. Amuse-toi à aller choper les mecs euh, <laughs> en Sibérie, quoi. Ben, tu vois, c'est... Donc, y a, et comme il n'y a pas besoin de beaucoup d'équipement pour être champion olympique d'Altero, mm -hmm. c'est assez sommaire, donc tu peux, tu, tu peux te planquer. Ok. Tu peux nous expliquer comment ça marche, les contrôles inopinés Parce que je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Ah bah en fait, en France, euh, c'est une dinguerie. Hein. Ah ouais Tous mes athlètes de niveau olympique, qui font partie d'un suivi. Ils sont fichés, mais c'est le FBI qui leur court après. Quoi. Tu dois indiquer tout le temps où tu es. Euh, dans une appli, à la, je trouve que c'est à la limite de, des libertés. Quoi. Il, donc, ils dé, il débarroulent chez toi. Euh, il faut qu'ils sachent où, temps tu où es, es. tout le temps. Tu as, as une marge de manœuvre. Oui, bien sûr. Ouais. Mais, il f... donc, quand les gens se disent euh, oh, aux Jeux Olympiques, tout le monde est dopé, en mon âme et conscience, au niveau olympique en France, les gens ne sont massivement pas dopés. Massivement pas dopés. Parce en France, pour se doper dans les sports olympiques, je, ré, je répète, euh, pour échapper au contrôle antidopage inopiné, au suivi, justement, informatique et au contrôle en compète, ce ne sont pas, pas les plus durs. C'est presque impossible. Et en plus, la plupart des, des sports, tu gagnes pas des tonnes d'argent. C'est ce que j'allais dire. Donc, tu ne te payes pas du dopage comme ça. Les gens s'imaginent, tu vois, ils ont un, une mythologie autour des mecs dopés. Ils s'imaginent qu'il y a plein de mecs en blouse blanche autour, <laughs> qu'il y a des grands labos, tu sais, à la Netflix. Quoi. Merci Rocky 4 aussi. Ouais, et euh, <laughs> Drago. Euh. Exactement. Et non, en fait, ça, c'est un mythe. Ça marche quoi. pas comme ça. Ça marche peut-être en Russie. Beaucoup. Ouais. <laughs> Mais euh, chez nous, c'est pas comme ça, quoi. ça, ça n'existe pas. Quoi. Vraiment, c'est un mythe. Mais Donc alors, euh, les contrôles inopinés, enfin, quand tu es athlète olympique, ouais. tu le sais combien de temps à l'avance que tu es athlète olympique Parce qu'il y a quand même des qualifications qui se font parfois assez proches des Jeux, des jeux ah ouais, olympiques, ouais. non bah, Ça ouvre un an avant, suivant, souvent, pour aller okay. aux jeux. Mais en fait, euh, avant d'être athlète olympique, tu pas du jour au lendemain. Oui, tu as, as, euh, as fait des, des championnats du monde, tu as fait des. Oui, bien, bien sûr. Tu fais des grosses compètes. Alors, c'est certain que le ratio nombre de contrôles inopinés sur athlètes de haut niveau, c'est disproportionné. Mm -hmm. Mais en fait, là où je pense que le dopage fait fureur, c'est sur les niveaux intermédiaires. Quoi. Oui. Là encore. Et quand ta génétique t'a bloqué, les gens se dopent. Mais de toute façon, c'est pas en se dopant que ça va débloquer l'accès au plus haut niveau mondial si tu n'es si pas un mutant. Et donc, ça, le dopage, il, il est plus présent dans les niveaux intermédiaires. Et effectivement, dans les niveaux intermédiaires, euh, les, la compète du saucisson, on vient pas te contrôler, quoi, tu vois, <laughs> tout le monde s'en fout, parce que ça coûte être un pognon fou de contrôler les gens. Mais oui. Donc on contrôle les, les top athlètes, ou du moins les athlètes qui, qui sont dans un délire tu vois, mondial. Donc les gens voient euh, la compète du saucisson et se disent ah, il y, y a des mecs dopés, j'en suis sûr, j'en ai même vu. Ouais, parce que c'est la compète du saucisson. quoi. Ben, voilà. C'est difficile pour le grand public de réaliser vraiment euh, d'une part ce que ça implique et ce qui se passe réellement euh, ouais, au, impacté, au plus haut niveau. Entre au plus haut niveau. Plus haut niveau euh... ouais, et puis quand tu côtoies les athlètes dans l'esport individuel, enfin, tu très rapidement, tu te rends compte que déjà euh, leur faire euh, prendre un peu de protéines quand ils en manquent, c'est chaud. Tu te dis des fois, c'est toute une histoire. C'est vrai, il tout... y en a encore qui. Ah, bon, je caricature. Oui, un oui, peu. bien sûr. Mais euh, c'est loin d'être, euh, c'est loin d'être si facile que ça, quoi. Ah ouais. Ouais. Et donc du dopage, là, on est sur un autre un on autre est niveau. sur un autre monde quoi. Et puis quand il faut mettre euh, plusieurs centaines d'euros par mois pour te doper, euh, quand on gagne gagnes euh, 1500, tu sors d'où quoi Et je crois que es gentil hein, plusieurs centaines d'euros. Ouais. Parfois c'est plusieurs milliers. Hein. C'est ça, ça dépend ce qu'on qu entend derrière. En tout cas, c'est ouais, c'est pas réaliste. Enfin, tu vois que c'est pas réaliste quoi. C est, c est... Ça ça colle pas quoi. Tu trouves qu'on euh, on laisse pas le bénéfice du doute aux athlètes de haut niveau et on a tendance à les cataloguer euh, directement ouais. à cause de leur performance incroyable Ben oui. De, de dopé quoi. Les gens ont jamais vu des, des mutants en vrai, tu vois. Moi qui viens de l'athlétisme, justement, euh, t'en vois plein, tu vois. Ouais. T'es là, tu t'entraînes depuis des années, t'as as, quelqu'un des dom qui arrive. Oh, il hein, casse tout. Il casse tout, mais il n'est pas dopé de rien <laughs> du tout. C'est juste que c'est un mutant. Et quand tu vois ces gens-là, ouais. en fait, tu comprends, tu te dis, ah ouais, en fait, je vais m'entraîner encore dix ans, mais c'est bien, mais. Je n'approcherai jamais de son jamais. niveau. Jamais. C'est comme tu commences la muscu à 16 ans tu fais allez, 60 kg développé couché, prenons un chiffre réaliste, et puis tu sais pas, il y a un de tes potes qui arrive, qui... Bah, lui il fait 90 kg. Alors il n'en a jamais fait plus. Mm. C'est très rare, mais ça arrive. Et ce mec-là, ben, tu te doutes bien qu'en partant déjà avec 30 kg de plus, s'il s'entraîne dur, s'il a un staff de haut niveau, et s'il a de la patience, de la persévérance, et bref, s'il met tout de son côté, il va devenir... Monstrueux. Il va tout arracher. Eux. Voilà, mais tant que tu n'as pas vécu ces mutants-là à côté de toi, à un âge où tu sais qu'ils ne vont pas se doper, quoi. Ben tu comprends pas, mais voilà, je vous assure qu'il y a des mutants. On l'a ah vu, toi. Ah, moi, j'en doute pas. J'en doute absolument pas. Mais justement, moi aussi, pour le coup, je me fais insulter oui. quand je pars toujours du principe que statistiquement, bah, c'est possible qu'il y ait des mutants qui, qui, qui ont des performances incroyables ou qui peuvent développer une masse musculaire incroyable et de crier au dopage de, directement. C'est enfin, la pire. Au des... moins, un athlète n'est jamais dopé, sauf le jour où il a un contrôle positif. Comme mmh. ça, c'est réglé. On arrête de discuter pour rien dire, quoi. Oui, c'est délétère. Que, quoi. Parce que les spéculations, tu peux en faire pendant des, pendant des siècles. Tu peux en faire jusqu'à la fin des temps. quoi. Voilà. Tu as eu un contrôle positif, tu es dopé. Tu as eu un contrôle négatif toute ta vie, bah, tu n'es pas dopé. Simple, efficace. Simple, efficace, mais au moins constructif. Mmh. Parce que comment ils font les athlètes après Ils pensent en permanence, tous les jours, à l'entraînement. Euh, ah, je vais, je vais m'entraîner contre des mecs dopés. Vais... Ouais. C'est délétère. Autant poser tes baskets et puis tu fais autre chose. Ouais, C'est clair que l'esprit sportif, il n'y est plus. Hein. Ah bah non. Aux États-Unis, il y a un docteur et quelqu'un d'autre, je ne sais pas, ils sont associés, qui ont envie de créer les Enhanced Games. C'est des Jeux olympiques où le dopage est permis. Mmh. Ils sont passés sur plusieurs podcasts, euh, leur page Instagram a explosé, je crois que maintenant elle a plusieurs dizaines de milliers ou plusieurs centaines de milliers d'abonnés, et leur postulat est, on va pas contrôler les athlètes, ceux qui sont d'accord pour se doper, ils ont le droit de participer, et on veut voir ce que ça donne en termes de performance. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que c'est une bonne, une mauvaise chose Est-ce que ça peut euh, euh, casser l'image du sport est-ce qu'au contraire, c'est intéressant de voir jusqu'où l'être humain peut aller quand il n'y a pas de limitation et pas de contrôle Pour les sports euh, olympiques et pour tous les sports, je serais d'accord avec ça si on avait en face de nous que des gens éduqués, euh, instruits et des, et des enfants qui ont des parents présents pour leur expliquer la vie, ben, bref. Pour éviter pas de possible. vendre du rêve sur des, choses, ben, des oui. choses de ce type, tu veux dire Oui, et puis va, va faire comprendre à des enfants ou des adolescents que quand même... Euh, c'est délétère pour ta santé. Et à partir du moment où on est catégorique sur le fait que de se doper, tu prends des risques monstrueux sur ta santé physique, et ce que personne ne dit, ta santé pour... mentale, et ça, personne ne s'en rend compte. Je crois que de plus en plus de personnes, bodybuilders et sportifs, commencent à, un petit ah, peu ça à, sort de à en parler, les langues se délient, et effectivement, ils il parlent de tout ce qui se passe psychologiquement. Euh, je ne dirais pas que c'est pire que ce qui se passe physiquement, mais ce n'est pas, pas mieux, c'est sûr. Donc, tout ça pour dire que si on, si on rend officiel le dopage et permis le dopage, ben on, on permet des produits qui sont délétères à, à la vie des gens. Quoi. Et ça, c'est quand même compliqué. Quoi. Tu vas me dire, la cigarette et l'alcool, c'est en vente libre. Ça a l'air de choquer personne. <laughs> oui, mais là, ce serait dans un cadre un peu glorifié de compétition sportive. Euh, donc, euh, je trouve personnellement que c'est quand même un petit peu plus problématique. Bah moi, je pense que c'est. Je vois l'idée derrière, tu vois. Ouais. L'idée euh, un peu. On va, on va explorer ce que l'être humain peut faire. Oui, c'est des adultes, qui sont consentants. Mais... Euh, Laissons-les faire ce qu'ils ont envie de faire. mais… Le problème, c'est les conséquences de, de tes actes à l'échelle d'une population, quoi, tu vois. Donc, non, je ne pense pas que ça soit une bonne idée de, de le tester, quoi. Ouais, je ne sais pas s'ils y arriveront un jour, mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui sont derrière ce projet semble surréaliste. Oui, je sais pas si on peut autoriser ce genre de. Le, tu vois, l'Office mondial de la santé, enfin, on peut pas laisser passer ça. On se bat pour que les gens soient en bonne santé. C'est pas pour leur dire, mettez-vous en plein le, plein le cornet quoi. Enfin, les États-Unis. Hein. Ouais, c'est un autre <laughs> délire, un autre délire. <laughs> les États-Unis et le divertissement. C'est quand même assez, euh, c'est quand même assez ouais. surprenant. Mais quand j'ai vu ça passer, euh, j'en en ai entendu parler dans un, dans un podcast et j'ai un peu euh, fouillé fouillé le truc. Et ça me paraissait mais complètement aberrant. Ouais. Après, c'est pas inintéressant de l'entendre mmh. parce que ça ouvre la réflexion. Mais voilà, je pense que c'est bien juste d'y réfléchir, mais pas de passer à l'acte. Bon, on verra comment ça, comment ouais. les choses évoluent dans le dans le futur. On a beaucoup parlé de, enfin, on a pas mal parlé de génétique. Selon toi, qu'est-ce qui fait un bon pratiquant de musculation Que ce soit et quand je dis bon pratiquant de musculation, c'est quelqu'un qui arrive à développer beaucoup de force, développer beaucoup de muscles. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui fait un bon pratiquant Est-ce que c'est quelqu'un qui s'entraîne depuis longtemps C'est quelqu'un qui a une bonne génétique Quelqu'un qui a un bon programme de musculation Quelqu'un qui s'entraîne dans une bonne salle de sport, qui a accès à du bon mmh. matériel Ce serait quoi le, le pratiquant euh, idéal Alors On va enlever la génétique, on en a bien parlé. On a bien parlé. Mais on a compris. Euh, ben, tu vois, à mon avis, aucune de ces choses. C'est quelqu'un qui va prendre du soin pour son sommeil. Parce que c'est quand même pas mal là qu'on en produit, euh, des hormones qui nous aident à, à construire du muscle. Donc, c'est pas sexy ce que je vais dire. J'allais ah, dire la même chose. Ouais. <laughs> J'allais utiliser le même terme. Le sommeil euh, quantitativement et qualitativement meilleur. Et là, avec Netflix, on prend cher. On prend très cher. Très, très cher. Deuxièmement, euh, le stress chronique. On n'en parle pas beaucoup, je trouve. Ah ouais, mais, effectivement. Mais ouais. Faire de la masse musculaire avec du stress chronique euh, monumental, c'est loin d'être euh, la meilleure option. Tu trouves pas que les grands culturistes sont globalement des, des gens euh, plutôt. Euh, pas soucieux de. Oh, c'est un peu des ermites, quoi. Ouais, ou des vivent... gens euh, rigolos, gentils, à la Ronnie Coleman, quoi. Tu ouais, c'est vrai. vrai ouais. Et qui qu se cassent pas trop la tête. Ils ont pas l'air ultra stressés, c'est vrai. C'est intuitif, mais bon, je mets ça dans la réflexion. Mmh, tu vois. Intéressant. Donc, le, en tout cas, le stress chronique, on est d'accord que c'est pas la meilleure option pour faire des performances physiques. Hein. Donc, euh, sommeil, stress chronique. Alors après, l'alimentation. Mais quand tu as dit ça, t'as pas dit grand chose. L'alimentation, tu mets 10 spécialistes autour d'une table sérieux. Ils sont pas d'accord. Ils risquent de se friter. Et je ne suis pas sûr qu'on arrive quand même à des. À un, si, je pense qu'on arrivera à un consensus. Mais quoi qu'il en soit, il euh, y a des grandes choses à effacer de l'alimentation. Donc, l'alimentation, quand même. Et déjà là, euh, stress chronique, sommeil, alimentation, tu as les, les trois piliers du tabouret. Quoi. Après, bien sûr, il faut s'entraîner. Mais j'ai envie de te dire, c'est presque secondaire, l'entraînement. Si euh, tout le reste est. Si tu ne dors pas assez, tu manges mal était stressé comme un fou, va faire du muscle quoi, pour prendre le body quoi. Après ouais. l'entraînement, ouais. et après l'entraînement, le game changer, à mon avis, c'est ta capacité à durer dans le temps. Mm -hmm. Est-ce que du coup, ça te, j'allais pas dire ça t'énerve, mais euh, quand on vient de demander quelle est la meilleure technique pour prendre du muscle, as envie de dire mais peu importe. Ouais. Alors, euh, ouais, puis, je peux, je peux pas faire non plus à chaque fois la réponse du sommeil et d'alimentation et de, du stress chronique. Je ne sais pas super vendeur. Et puis euh, pff, de toute façon, les gens vont pas le faire, quoi. Qui, va arrêter son, qui arrête vraiment chez les jeunes son téléphone longtemps avant de dormir Je pense que c'est peine perdue. Ouais. Alors que je suis d'accord avec toi, pour moi c'est le facteur numéro un de... D'une part de la progression, mais même de la santé. Quoi. Bah oui, Et bah surtout c'est quelque chose que tout le monde peut modifier. Euh, tu n'as pas besoin d'argent, tu n'as besoin de rien pour prendre soin de ton sommeil. Non, tu n'as besoin de rien. Mais je ne suis pas confiant. Je hein. <laughs> <laughs> suis pas du tout confiant sur le sommeil. L'alimentation, il n'y a rien qui nous fait penser que... Que ça peut s'améliorer. Ouais. Pourtant, euh, l'information n'a jamais été aussi présente, quoi. Et pour le sommeil aussi, hein. Ouais. Je pense que tout le monde sait que regarder Netflix jusqu'à 2h du matin... Ouais. 2 heures du matin, j'abuse, mais... Regarder Netflix jusqu'à tard le soir ou euh, se coucher avec TikTok à 10 cm des yeux, c'est pas terrible. Pourtant... Euh... Les jeunes, ils dorment avec leur téléphone sous l'oreiller. Le hein. Même les vieux, hein, tu sais. Euh, ouais. moi, ça... <laughs> bon, ben, voilà. Donc, c'est mal barré, hein. Et le stress chronique. Ouais, Qu'est-ce ben... qu que tu entends euh, concrètement par là Déjà, juste au sens propre du terme, les stress psychologiques, tu vois. Moi, je suis assez partisan oui. de l'hypothèse de base que l'être humain, il est fait pour se stresser, pour des trucs pour de vrai, quoi. T es coursé pour des questions, par un dinosaure. Pour des de vie ou de mort, quoi. T'es coursé par un dinosaure qui n'existe pas, parce qu'il ouais, n'existait pas en même temps. Ouais. T'es coursé par un dinosaure, là, c'est le moment d'être stressé. Ouais. Et puis, tu rentres dans ta caverne, t'es tranquille, euh, tu vois là, t'as pas d'autres stress majeurs à avoir, tu dois trouver ta bouffe. Mais voilà, ça se limite à ça. Euh, je pense qu'on est prédéterminé pour euh, gérer du stress aigu, tu vois. Mm -hmm. Puis le reste du temps, euh, on se repose. On se repose. Mais là, maintenant, on n'est plus jamais coursé par un, un T-Rex. Mais pourtant, on, on, est on est stressé en permanence. Bah, mon nombre d'abonnés, euh, un méchant commentaire, je prends les réseaux sociaux, euh, les problèmes de boulot, euh, que des conneries, quoi. Si tu regardes à une échelle de vie ou de mort, c'est 100% de nos exemples, c'est des conneries, quoi. C'est vrai. Par contre, demain, on trouve un cancer du pancréas. Le méchant commentaire sur TikTok, tu t'en fous. Hein. Ouais, il n'a plus beaucoup de... Donc, tu vois, ça recentre. Mais enfin bon, le cancer du pancréas, le problème, c'est que... Donc, euh, le stress chronique, et, donc, tu vois, euh, et ça rejoint le sommeil. Parce que... Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais te demander lié. comment on fait pour euh, résoudre le stress chronique, mais l'un des, premières, euh, des ah, premiers de leviers, c'est quand même le sommeil. C'est ça le problème, c'est que c'est facile de le dire, de lutter contre le stress chronique. Après, dans la mise en application, waouh, Tu vois, il... enfin, faire un métier pour lequel tes t t t valeurs sont... À peu près accordé, mm -hmm. c'est pas facile non plus quoi. Donc euh, moi je suis assez pessimiste, tu vois, c'est peut-être parce que je vieillis, mais je trouve que tous les conseils de base ils sont de plus en plus durs à mettre en place. À cause de la, enfin je vais utiliser un terme un peu un peu bateau, mais à cause de la société dans laquelle on vit, ouais. qui ne peut pas empêcher le stress chronique ou en tout cas c'est assez difficile, non. qui encourage pas à prendre soin de son sommeil, et qui encourage pas à consommer des aliments bruts minimum transformés, ben voilà. etc. Des trucs quand même qui sont pas fou quoi. Pas foufou, nos, nos parents le faisaient naturellement. Parce ils n'avaient pas, pas le choix. Ils n'avaient pas le choix et ils dormaient, ils dormaient plus parce que de toute façon tu bouquinais avant de te coucher, ce qui n'est pas le même, le même, la même stimulation orthosympathique que le quand TikTok. tu regardes TikTok. Quoi. Ouais, c'est sûr. Donc euh, tout se faisait naturellement parce qu'il n'y avait pas les, les stimuli qui dégradent notre récup finalement, c'est ça dont mmh. il s'agit. Et pour en rester sur la muscu, ouais. à proprement parler est-ce qu'il y a alors réellement une, une différence à faire tel ou tel programme de musculation Au début de ta carrière, enfin au début de tes progrès, non. je ne pense pas, très honnêtement, tant que c'est dans, dans une logique, enfin euh, tu vois, tant que c'est à peu près intelligent. quoi. Si, tu, si demain tu, tu te mets à la muscu et que tu commences à faire des séries de trois lourds... C'est pas très cohérent. Non, il y a d'autres choses à faire. Mais à partir du moment où c'est pas débile, ce que tu fais, tu fais à peu près ce que tu veux ça fonctionne et après c'est ta capacité à, à continuer dans le temps celui qui gagne le celui qui dure quoi tu vois et la muscu ce qui est fantastique c'est que tu peux en faire à, à 20 30 40 jusqu'au jusqu'au bout alors pas pour les mêmes raisons mais tu vois c'est quelque chose que tu peux faire qui est hyper safe la muscu ouais. type culturisme enfin se blesser en muscu c'est possible mais c'est quand même euh, rare quoi tu vois c'est effectivement rare donc c'est hyper secure donc c'est vraiment un super médicament quoi tu vois et pas cher là, non plus oui, c'est accessible virtuellement à, à ouais, tout le monde. Presque tout le monde. Mm. Donc euh, le plan d'entraînement, euh, au début, ça n'a pas d'importance, tant qu'il est intelligent. Après, après, ça peut faire, euh, après, ça fait une différence. Et je trouve qu'après, ce qui fait la différence, c'est le coaching. Tu vois, on en, on en parlait tout à l'heure. Euh, on n'a jamais eu autant de, de coachs et de diplômes euh, légaux pour en, entraîner. Mais est-ce qu'il y a tant de gens que ça qui font appel à des coachs, tu vois, genre pour apprendre les bons mouvements au début C'est pas en deux trois séances tu fais le tour, quoi. Tu vois, je trouve que peut-être un game changer, ça serait de mettre un petit budget coaching. Voilà, au début de ta carrière, quelques séances pour apprendre les mouvements, c'est bien utilisé, tu vois. Après, euh, un ou deux coachings à chaque changement de cycle, mm -hmm. et voilà, ça te coûte quoi à l'échelle d'une année, je sais pas moi, ça s'emballe Bah pas grand-chose, hein, compte tenu des progrès que tu pourrais faire en retour. Euh, ouais. Et euh... Moi, ça m'a toujours surpris de voir que la musculation, c'était très différente des autres sports. Parce que quand tu as envie de t'améliorer au mmh. tennis, bah, tu as un entraîneur. Ah ouais, tu fais pas tout ça. Quand seul tu veux t'inscrire un... au foot, bah, tu as un entraîneur aussi. Bah ouais. Mais en musculation, il n'y a personne. Il bah y, y, y avait les coachs Il y, y bon. avait les coachs. Il y a <laughs> les personnels traîneurs toujours. Ouais. Tu peux bien prendre ton coaching ou un coaching en ligne. Si, il y a plein de moyens de te faire suivre maintenant. Et même euh, pas trop cher. Mais ce que je trouve encore assez euh, spécifique à la musculation, c'est que quand tu payes un abonnement, ton abonnement te permet d'avoir accès aux salles, euh, au aux matériel de muscu. Mmh. Mais il te donne pas euh, accès à, à des conseils. Comme c'est vendu aujourd'hui. Hein. Dans, les, dans les grandes franchises, ah tu oui, peux pas avoir grandes... un petit plan Dans les grandes franchises, non. Quand tu t'inscris, tu n'as pas de plan gratuit. Et si tu vas voir. Tu n'as personne à voir Personne. Ouais. personne à voir. Donc tu vas payer 20 ou 30 euros par mois, mais c'est juste pour avoir accès aux machines. Ouais. Et les conseils, ben, tu vas les prendre sur Internet, mmh. sur des chaînes YouTube, mais on est d'accord que ça reste très différent d'avoir un coach avec toi qui va pouvoir analyser ton mouvement et puis, euh, et puis euh, te faire, faire les, 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 les changements nécessaires. Le ouais. feedback, quoi. Je trouve que c'est pas cher payé d'avoir un... Puis maintenant, c'est facile avec les téléphones. Pour le coup, tout le monde a son téléphone à la salle. Ouais. Euh, on se demande pourquoi. <laughs> <Je veux> dire... <laughs> Pour se filmer. <laughs> oui, mais justement, filme-toi et puis t'envoies à ton coach euh, la dernière série de chaque exo. Il n'a pas 50 des exos. Et ton coach, il a un feedback à la fin de ta séance, ton coach est en ligne, à distance. Mmh. Et comme ça, il voit, bah, tiens, ton squat, prochaine fois, tu, tu améliores telle position du pied. Tu me refais une vidéo. Et en deux séances, c'est réglé. Bah, tu vois, c'est super. C'est vrai que ça va assez vite. Mais c'est du coaching qualitatif, quoi. Tu penses qu'on pourrait avoir un format de salle de sport, de salle de musculation, plus adapté à la progression des débutants si dans le futur, dans les 5-10 prochaines années, on pouvait, on vire toutes les chaînes de salles de sport, fitness park, basique, mmh. ça n'existe plus, et on crée un concept, un nouveau concept, qui permettrait justement aux débutants de bien commencer la musculation, ça ressemblerait à quoi Est-ce que ça ressemblerait aux salles de sport qu'il y avait à 20-25 ans Ouais, ça ressemblerait aux salles de sport euh, comme dans un club de basket, quoi. Ben, tu vois, tu as des entraînements tel jour tel jour tel jour, avec ton coach, mmh. mais c'est pas peut être groupé. Mais ça, finalement, ça ressemblerait au fitness des années 90, 2000 et 2010 même peut-être. Ça existait ça, des cours euh, collectifs de musculation. T'en as déjà vu ou non Non, je n'ai pas vu. Mais en fait, tu venais, t'allais chercher dans la petite boîte. Je ne sais pas si t'as connu ça. Ça, enfin, j'ai connu. T'allais chercher dans ton, petite, ton <laughs> avec plan les, des... <laughs> avec des. Mais c'est super. Et ton ton coach, il avait regardé. Et je me rappelle. Oh, mais c'est quoi ta séance là Tu m'as pas rempli ton petit carnet. Tu te prenais une chasse C'est ça. C'était super. Enfin, c'était super. Déjà, il y avait des, des échanges humains. Et tu avais un feedback qui me dit tu vois, Pourquoi tu n'as pas progressé Tiens, je, je vais venir voir ta, ta séance ou ton développé. Hop Quand j'ai passé mon diplôme, j'ai eu la chance de euh, passer par là. Parce que VO2 Max, en plus, c'est la salle où j'ai commencé et c'est maintenant ma salle. Je suis associé avec euh, Taïeb, le, le patron de, qui a créé la salle. Et euh, quand j'ai commencé mon BPGEPS en 2009, effectivement, on avait une petite boîte ouais. avec des petites fiches. Où on faisait des programmes types, ou alors euh, les clients pouvaient les récupérer, noter leurs performance ouais, et effectivement, on pouvait leur faire le retour. Ça se passait exactement comme ça. C'était bien. C'était très bien. J'avais l'impression d'être utile déjà en tant que coach. Bah ouais, et pas juste d'être à l'accueil et de faire signer des contrats. Donc ouais. on me sollicitait euh, bah, tous les soirs où j'étais là pour euh, justement euh, bah, vérifier les exécutions. Donc moi, en petit stagiaire, j'étais tout content. Bah ouais. Et c'était euh, hyper gratifiant. C'est ça. Tu t'avais pas tout le monde qui avait un casque sur les oreilles ouais ou non plus. Ouais. Il faudrait peut-être y penser, alors de se lancer des cours collectifs de musculation, ça pourrait être sympa. C'est toi l'entrepreneur. <laughs> je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir, ça pourrait être un format mais déjà, euh... les salles, et tu sais de quoi je parle, les salles où tu ne peux pas aller en libre accès, mm -hmm. ben, les boxes de CrossFit, c'est un peu ça, si tu regardes. Hein. C'est euh, vrai. Ils ont des horaires d'open gym, mais assez limités, voire interdites. Mm -hmm. Et tu viens, et tu ne peux pas coup. venir autrement que euh, semi-encadré. Ce qui d'ailleurs plaît beaucoup au final, parce qu'on a, a vu beaucoup de pratiquants de muscu se diriger ah ouais. vers le crossfit parce qu'ils euh, se sentaient un peu abandonnés à la salle. ça les 80-100 balles par mois que personne payerait pour une salle de muscu ou très peu de gens payeraient. Ah ouais. et donc finalement, euh, le modèle, c'est le modèle euh, type crossfit. Cher, mais obligation de, de s'entraîner avec les autres. Et encadrer à chaque fois. Et Encadrer à chaque fois. Je vais y réfléchir. <laughs> Merci euh, Olivier, je vais, je vais y réfléchir. Merci. <laughs> Et du coup, pour parler des coachs et du coaching, il y a eu aussi une grosse évolution dans ce dans ce, ce cadre-là. Les coachs ne sont plus les mêmes. Non. Ils ne travaillent plus de la même façon. Certains diront qu'ils sont moins compétents. D'autres diront qu'ils sont juste différents. Quel est le constat avec euh, avec les coachs aujourd'hui C'est mixte. Tu vois, euh, le dernier diplôme en date, euh, le CQP, massivement critiqué, mais aussi massivement apprécié. Ils ont enlevé dans les épreuves, tu sais quoi, le test euh, navette. Ah ouais Ouais. Tu te rappelles de ce test navette ah bah Bien as sûr. Dû, ouais. as dû hancher comme il faut. Non ah ouais. oh, il fallait courir comme un lapin, quoi. Tu finissais, tu étais carbonisé. Et, et combien de gros, de gros au sens, des culturistes ou des powerlifters ou des mecs, pouvaient pas avoir la chance de faire le métier de coach parce qu'ils étaient trop lourds Qu'est-ce qu'on qu en a à faire d'avoir palier 10, je crois Palier 10 au, au test navette ouais. Donc ils ont enlevé ça. Ils ont enlevé aussi les tractions pour les filles. Okay. Parce que pareil, est-ce qu'une fille qui ne peut pas réaliser en début de parcours une traction ça fait d'elle une mauvaise coach. J'ai un doute. J'ai un doute aussi. Je ne pense pas que ce soit le cas. Donc, tu vois, il y a eu des choses massivement améliorées. Mm -hmm. Et, le B... Et avant le BP, il y avait les BE muscules, BE acumès. Oh, mais c'était hardcore en termes de perf. Il fallait être très fort physiquement. Mais quand je dis très fort, c'est très fort. Donc, tu avais des profils de gens hyper, hyper, hyper engagés dans leur pratique. Donc, ça avait ce côté positif qu'ils avaient expérimenté tout à haute dose. Est-ce qu'ils étaient des meilleurs pédagogues c'est la question. J'ai quand même des doutes, hein, tu vois. Tu toujours pareil, hein. le premier de la classe, est-ce que c'est le meilleur pour enseigner au, au dernier de la classe mmh. J'ai des doutes. T'en penses quoi, toi J'en pense que... Alors, euh, d'ailleurs, pour la petite histoire, personnellement, j'ai passé le premier BPGEPS à ah. AG, euh, AG2F. Avant ça, c'était le BE. Il a disparu en 2008, et du coup, moi, j'ai passé le BPGEPS en 2009. Et personnellement, j'ai eu une, une, une... Comment dire Un ressenti, un vécu avec le BPGEPS qui était assez mauvais. Ah. Je ne sais pas si c'était à cause de mon organisme de formation, du, euh, du responsable de formation ou quoi que ce soit, mais beaucoup de déceptions. Et malheureusement, tous les, toutes les personnes que j'ai euh, encadrées en tant que tuteur, donc euh, tous les stagiaires qui ont passé le BPGEPS, euh, j'avais un petit peu le même constat. Nice. Donc un peu l'abandon des étudiants et euh, du contenu qui était euh, ras les pâquerettes. Encore une fois, je ne sais pas à cause de qui, à cause de l'organisme de formation ou, ou des profs ou, ou quoi que ce soit. Donc euh, je t'avoue que j'ai toujours eu une... Euh, j'ai toujours eu un, un sentiment amer vis-à-vis -vis du BPGEPS. Et quand on m'a présenté le CQP, pareil, j'ai eu deux stagiaires en CQP euh, IF sur la première session. Et ça s'est mal passé aussi parce que c'était des personnes qui n'étaient pas intéressées par ça. Euh, alors je ne sais pas si c'est de la faute des stagiaires, de l'organisme de ouais. formation. Mais euh, je t'avoue que mon expérience vis-à-vis du BPGEPS et du CQP, ça n'a pas toujours été... Euh, ça a été que très rarement positif. Après, on ne va pas se mentir, hein, un BPGEPS, c'est environ 8000 euros par an. Quoi. Ouais. Un CQP, c'est pour les plus chers, 4000. Mm -hmm. Une promo, euh, ça peut aller jusqu'à 25. Ouais. Donc, euh, une promo, c'est pleine, c'est 100 000 euros de chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, hein, pas de bénéfice que les gens s'imaginent pas qu'ils sont tous. Euh, tous dans la poche, ouais. loin de là. Mais c'est une manne financière, euh, on ne peut pas dire que c'est rien. Quoi. Tu, vois tu vas t'inscrire à la fac euh, en master 2, je crois que les frais de scolarité, c'est 300 balles 400 mmh. balles. 400 balles versus 8000 euros. Le choix est. Le choix est vite fait, et puis tu. Tu peux pas derrière t'empêcher de penser que on, les organismes de formation, même juste pour tenir le choc, prennent des étudiants qu'ils ne devraient pas prendre. Mmh. On peut pas ne pas y penser, tu vois, très honnêtement. On peut pas ne pas y penser et ça existe forcément de toute façon. Ouais. Et du coup, est-ce que ces conditions d'acceptation ont fait que les coachs sont devenus moins bons peut-être ou, ou pas du tout Difficile à dire. Je ne sais pas si les coachs sont, sont moins bons, très honnêtement. Là encore, je vais reprendre mon, ex mon exemple de tout à l'heure. Je pense que les, les, les top coachs sont à une année-lumière des top coachs d'il y a 20 ans. Mais les coachs moyens, je suis sceptique. Hein, je je m'inquiète un peu plus sur les coachs moyens. Et peut-être qu'ils abandonnent rapidement. ouais parce que c'est des métiers quand même euh, physiques. Quoi. Tu passes tu vois, 6, 8 heures par jour debout. Euh, je parle même pas des cours, cours où tu te Ah oui, là, tu là, te le déchires. Cours, euh, donc ça, tu le fais ça quelques années. Il y a des turnover dans, dans le fitness qui sont énormes. Mmh. Je crois que la, la moyenne, c'est trois ans. Je crois à vérifier le chiffre. Je pense que c'est le cas. En tout cas, de ma formation de BPGEPS, plus personne ne fait le métier de coach. Et moi, mes copains qui étaient en STAPS... C'est pareil. Ouais, qu'est-ce que tu veux Sinon, il n'y a pas assez de boulot, point bas. Donc euh, il y a bien plus de... Enfin, les, les employeurs sont en situation de force. Il y a plus de demandes que d'offres. Voilà. Mais ça, évidemment, c'est un peu problématique. Est-ce que tu penses que on est l'un des derniers pays, je crois, au monde, hein, à avoir un diplôme d'État pour le coaching Il y a beaucoup de pays qui ont des, des certifications privées. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup de conserver un diplôme d'État Est-ce que les autres pays ont eu raison de faire cette transition ou pas ben, Pendant 20 ans, tu vois, comme j'étais, je travaillais pour l'université. Je me suis toujours battu pour que, tu vois, les diplômes d'État, la carte professionnelle, etc. Continuent à exister. Ouais. Mais là, j'arrive à un moment. Euh, je, sais, je suis vraiment plus sûr du tout mmh. je sais pas si euh, on ferait pas mieux de libéraliser le système de toute façon euh, des coachs non diplômés qui travaillent il y en a plein à internet ils sont inflicables impossible tu vois jeunesse et sport ils n'existent <laughs> plus quasiment ouais. et, et, je sais même pas s'ils passent encore dans les salles ils doivent passer une fois par euh... t'en vois des fois toi jamais je les ai pas vus depuis euh, je te dis pas de bêtises depuis 2016 je pense 2017 ouais, t'en vois comme plus ça, bah non, non, il doit y en avoir trois à Lyon j'en sais rien qui se courent ouais. après si tu veux donc, bref, tout le monde peut faire ce qu'il veut. C'est comme si demain on dit qu'il faut rouler à 130, mais il n'y a plus aucun radar. Amuse-toi à faire comprendre ça aux gens. Ouais. Je ne dis pas que c'est bien de rouler oui, bien à sûr. 150, mais donc les gens sont, peuvent pas être fliqués. Qu'est-ce qu'on fait on, on, on ouvre, on, on libère les gens. Maintenant, tu, avec un CQP, en 4 à 6 mois, tu es diplômé. Peut-être l'étape suivante, c'est de libéraliser le système complètement. Hein mais c'est vrai que le CQP sur le papier c'est quand même une bonne alternative moi je trouve que c'est une fantastique opportunité de reconversion pro je mm -hmm. crois qu'il y a beaucoup de, de vieux en fait oui. qui viennent et, et ils vont pas se taper un BP avec la thèse de Luc Léger avec... puis un an euh, hors du système c'est dur pour et des... 8000 euros potentiellement si jamais ouais. tu dois le financer toi même c'est vrai que c'est un gros investissement c'est des superbes opportunités de reconversion pro et je pense qu'il va y avoir des vocations qui vont se créer grâce à ça il y aura aussi des grosses trompettes qui vont venir quoi. Ouais. donc la libéralisation complète des diplômes très honnêtement je ne saurais pas encore te dire. Il y a encore quelques années en arrière, je t'aurais dit certainement pas. Là, je suis sceptique et toi ben Moi, je pense que ça va arriver très clairement parce que vu l'évolution vu des choses entre BE après BPJEPSA G2F, que... BPJEPSA F, CQP instructeur fitness, on voit toujours qu'il y a une évolution qui fait que c'est de plus en plus court. C'est de plus en plus court et que je pense que Génécesse Sport réalise bien, de toute façon, qu'il y a une transformation du, du marché du coaching. Et personnellement, je pense que ça arrivera de toute façon un jour ou l'autre. Hein. En tout cas, ça prend le chemin. Ça prend le chemin, oui. Il faudrait un sacré retournement, retournement revirement de situation ah ouais, pour, ouais, pour vraiment, pas que ce soit le cas. Vraiment. Et ben, ça sera intéressant de voir comment ça évolue dans le futur. Et pour parler de futur de, de musculation, c'est peut-être un sujet qui n'a pas grand-chose à voir. Mais il y a quelques semaines, je suis tombé sur un podcast d'un culturiste qui est aussi docteur et qui parlait justement de sa pratique de la musculation et des évolutions potentielles. Et il a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué, que je trouvais assez particulier. Euh, il disait qu'il avait hâte du jour où on ne serait plus obligé de faire de la musculation pour prendre du muscle. Et que tout ça pourrait être fait avec une gélule, une injection, des modifications génétiques pour qu'on ne soit plus obligé d'aller s'entraîner à la salle et qu'on ait plus cette contrainte. Il a utilisé le mot contrainte en plus, ce que je trouve ça assez particulier. Qu'on ouais. ait plus cette contrainte de devoir aller plusieurs fois par semaine à la salle de sport pour être en bonne santé. Est-ce que tu penses que ça arrivera un jour ou que c'est une bonne, une bonne chose je pense que c'est la pire des choses qui puisse se passer. Je suis de la même ça. façon que euh, naître riche euh, d'une famille richissime, qui t'enlève toute possibilité ou qui limite euh, les chances que tu apprécies la valeur euh, du travail pour gagner de l'argent, pour moi c'est une malédiction ça. Tu vois, naître pauvre c'est pas chouette, mais naître richissime, qui, qui dé, quel désespoir. C'est comme gagner le loto quoi. Quel désespoir quoi. Tu, tu apprécies quoi de la vie quoi tu, tu peux l'intérêt de la vie c'est quand même euh, de lutter et de gagner parfois. Et quand et parfois, tu gagnes, c'est chouette. souvent perdre. Mais quand tu gagnes, ça, ça a une saveur. Ce n'est pas la finalité en fin de compte qui est intéressante. C'est plutôt euh, le chemin que. que ouais, bon, c'est que bien d'y arriver des fois à destination. <laughs> ouais, c'est vrai. Ouais. Mais voilà, ça fait partie de, du jeu. Quoi. Et si, si, si tout le monde est beau et musclé, mais tout le monde sait que de toute façon, il n'y a aucune, aucune vertu, enfin, aucun mérite à galérer. Ah non, pour moi, ça serait la pire des malédictions quoi. Pire en fait, de... son argument c'était la discussion commençait avec euh, Ozempic. Je ne sais pas si tu as entendu parler de euh, cette euh, je sais pas si c'est une drogue, euh, c'est euh, quelque chose qu'utilisent euh, beaucoup de personnes pour perdre du poids. C'est un suppresseur d'appétit qui est utilisé à la base pour les diabétiques, il me semble, et qui permet aux personnes de ne plus avoir d'appétit et de perdre euh, parfois jusqu'à 40 kg en quelques mois. Et euh, l'argument de euh, ce culturiste docteur était de dire Ozempic peut-être que ça a des effets néfastes, mais l'obésité ça l'est encore plus. Donc, euh, est-ce que c'est vraiment une catastrophe que ces personnes-là utilisent une drogue pour perdre du poids Et du coup, pour faire le parallèle avec la musculation, il disait effectivement, une pilule ou une injection, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais l'inactivité et le manque de muscles, bah, c'est encore pire pour la longévité et la santé des gens. Ah oui, donc avec sa pilule magique, on serait musclé et en bonne santé C'est ça. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est vraiment de la science-fiction. Hein. Ouais. Vraiment de la science-fiction. Ouais, J'avais pas compris que c'était par rapport à des problèmes de santé. Mmh. Effectivement, si tout le monde est en bonne santé, moi, enfin là, là, on parle de trucs très honnêtement qui sont un peu, euh, ouais, même pas utopiques ouais, complètement, complètement, inenvisageables quoi. Selon lui, ça arriverait dans les quelques ouais. prochaines années. Bah écoute, <laughs> On aurait plus de boulot. C'est pas hein. cher de le dire. <laughs> il y aurait plus de coach ouais. il y aurait plus personne. C'est sûr. Bon bah on verra comment comment évoluera les choses. Et eh ben merci Olivier. Merci à toi Nassim. C'était une super discussion. J'espère que le métier de coach et de préparateur a encore de belles années de, devant lui. Je pense que oui, de toute façon. J'en suis sûr. Et puis, euh, on va s'abonner euh, massivement à ta chaîne. Mais ma chaîne est, est, massivement, est massivement en phase de stagnation, donc n'hésitez pas. Ah ben, n'hésitez pas, on tape Olivier. Ouais, Olivier Bollier, vous me trouvez. Olivier Bollier sur YouTube, et puis on peut te retrouver aussi sur Instagram. Ouais. Donc euh, on, fera, on fera le chemin nécessaire pour s'abonner. Et euh, vous, les amis, n'oubliez pas, comme d'habitude, si vous écoutez le podcast sur Spotify, on met un petit sac étoile Sur YouTube, toujours important, on s'abonne à la chaîne et on met un petit pouce en l'air. Et, euh, et puis Olivier, à bientôt. À bientôt, Nassim. Salut à tous. Merci d'avoir visionné cet épisode complet avec Olivier. Je suis persuadé qu'un autre épisode vous plaira beaucoup. C'est celui que j'ai enregistré avec l'artiste Petit Biscuit. On y parle aussi de musculation, de sa routine sportive et des changements qu'il a pu mettre en place pour gagner littéralement des dizaines de kilos de muscles. Je vous laisse le podcast en entier quelque part sur l'écran. Allez le visionner et on se retrouve très bientôt.